Hey, comment ça va les citrons? Eh ben écoutez, je vous ai épargné le moment où j'ai choisi les traits du premier bébé qui a grandi. Là, j'ai fait le générateur. En plus, je m'amuse avec la traduction française parce qu'effectivement, il y a des mots. Pourtant, je comprends généralement l'anglais écrit, mais c'est vrai que là, il y a des mots en anglais que je ne comprends pas. Donc là, c'était Insider pour initié et Rombusius Camp pour enfant turbulent. Et le premier, du coup, c'était. C'était, je crois, c'est le tri créatif et c'était un enfant social, voilà. Donc bon, c'est dommage qu'il n'a pas eu le tri, les deux qui vont, donc le tri et l'ambition créative, mais bon, c'est pas grave. Ça changera rien là. De toute façon, le but c'est qu'ils aient des bonnes notes à l'école et nous sommes jeudi, donc il serait peut-être temps. Par contre, il y en a un, c'est un louveteau. Voilà. Par contre, à partir de quel moment on sait que l'enfant est un vampire? Là, on ne sait pas encore que c'est un vampire, de toute manière. On le sait seulement quand il est adulte ou quoi. Je sais pas, c'est la première fois que je fais des bébés avec des vampires, mélange humain-vampire, donc je sais pas ce que ça donne. Mais bon, on verra bien. Et du coup, bah écoutez, on va déguster le gâteau hamburger fait par Angela. Lui, c'est elle qui l'a fait. Je voulais aussi que elle grandisse, puisque je ne comprends pas. Vous voyez, elle est actuellement en train de grandir. Donc là, il y a marqué. D'ailleurs, il n'y a même pas. Donc techniquement, aujourd'hui, elle devient une adulte. Et j'ai pas réussi à elle la faire souffler sur les bougies. J'ai pas d'option pour elle. Je peux vous montrer si vous voulez. Parce que bon, si on peut mettre les bougies, c'est qu'on peut souffler dessus, non? Il y a marqué célébrer. Vous l'avez vu dans l'intro. Quand elle célèbre, ben, elle fait ça. Elle jette des confettis. Mais c'est tout. Est-ce que c'est parce que ce serait sa fille qui pourrait souffler sur les bougies? Faire un vœu? Souffler les bougies? Ah! Ah mais non, mais ça va lui faire changer d'âge alors que j'ai pas le droit de lui faire changer d'âge. Enfin, ça changerait pas grand-chose, mais moi je voulais que ce soit elle qui devienne adulte, je comprends pas. Bah tiens, enlève les bougies. Et puis, appeler à table, voilà, pour que. Et du coup, bah, les enfants, je vais avoir besoin d'un autre lit. Heureusement, on a de l'argent. On vient de recevoir les droits de rapport, enfin les rapports de droits d'auteur. Et ben, écoutez, on va renouveler un petit peu la maison, je pense. Au moins tapisserie et les lits, parce qu'on va essayer de mettre des bons lits pour les enfants, pour qu'ils aient leur sommeil. Parce que faut voir le bon côté de la chose. C'est un investissement, mais au moins plus vite, enfin moins vite, enfin non, plus vite leur sommeil augmentera. Donc c'est-à-dire voilà qu'ils auront bien dormi. Et plus vite, on aura le temps pour eux, enfin plus de temps pour eux pour faire les devoirs, etc. En plus, le tabouret, il est même pas dans le bon sens. Enfin bon. Allez, on va voir les lits. C'est pas du tout là. Les lits, la tapisserie. Et ce sera bien. Donc on va bien sûr, effectivement, ne pas tricher avec des CC. On va prendre des lits du jeu de base. Ah, ici on en a un 5, puisque là déjà celui-là, hein, si on regarde c'est 4-2, donc c'est pas. C'est 4-2-2, c'est pas si mal que ça. Là c'est 8-5-5. 8-5-5. Et ceux-là, 10-10-10. 8-5-5, 10-10. Techniquement, il faudrait que je prenne au moins un lit comme ça. Si je veux vraiment investir, c'est le meilleur lit que je puisse prendre, c'est celui-là, quoi. On passe quand même à 8500 si me pousse, alors que celui-là, il est à 3300 pour deux de moins. Ah, j'hésite. Est-ce qu'on prend le meilleur ou est-ce qu'on prend le un petit peu moins meilleur mais le bon quand même? C'est 8,55. C'est deux fois quand même plus que ça. C'est deux fois plus. Mais là, pour deux de plus, 1500, c'est cher. Non, on va prendre ça, je pense. On va prendre ça. On va prendre ça. Puis c'est vrai que cela, voilà, physiquement, le lit, enfin, éthiquement, je suis pas emballée. Celui-là je préfère, donc là on va vendre ça. Au moins on peut avoir assez pour tout le monde. Donc ça ce sera la chambre des enfants, adolescents compris. Ils peuvent dormir dans les mêmes lits, donc ça dérange pas. Mais oui, voilà, on va en acheter minimum 3. Pour le moment 3 ça va, pas besoin de plus. Et on va peut-être juste changer l'aspect des lits pour pas que ce soit trop la même chose. Ouais, avec les petits animaux. Ouais, quoique je suis pas super grande fan des animaux. Ouais, comme ça.
Ça fait des motifs qui se ressemblent. Pourquoi pas? On va mettre une petite... Oh, je peux pas. Ah bah là, je peux et là, je peux pas. Je comprends pas. Croiser d'autres objets. Attends, il y a peut-être un truc au mur. Ouais, alors attendez. Parce que les enfants peuvent faire des cauchemars. Il faudrait que bien que je pense que l'adulte, je l'ai fait dormir ici. Et les deux enfants, je les fais dormir ici. Ouais, on va faire comme ça. Et là, il n'y en a pas au mur Ah. Parce que les bambins, ils font des cauchemars aussi. Attendez. Bah, au pire, on met ça aussi ici, comme ça. On se fait pas chier. Et là, voilà. Et ici, bien évidemment, sous tous les lits. Sauf celui-là de la maman. Et on va aller faire la tapisserie. Il nous reste 1500 pouces pour la tapisserie. Ça devrait suffire. Ouais, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais on va commencer par l'entrée. Le truc en pierre me plaît bien. Mais bon, pour un intérieur, est-ce que c'est... Ouais, non, on va partir sur quelque chose de un petit peu plus simpliste. Un petit peu plus simpliste, du genre comme ça, 2 simpouces, c'est pas si cher que ça. Est-ce qu'on part sur quelque chose de vert? Non, vert ça fait trop médical. Bleu ciel. Un petit peu trop flashy. Parce que la maison elle est moderne, donc faut utiliser des couleurs modernes. Ouais, comme un gris blanc, un blanc beige, gris blanc. Ouais, c'est plus un blanc gris, vraiment, que du beige. Voilà. Donc ça on peut laisser comme ça. On va peut-être mettre un peu plus de carrelage au niveau de la cuisine. Alors carrelage. Non, ça fait trop carrelage de salle de bain. Plus un carrelage type comme ça peut-être. Ouais. Après, vu que la cuisine sera refaite tôt ou tard, pour l'instant manque de budget, c'est pas le plus important. Faut se dire de quelle couleur sera la cuisine plus tard. Bon, après, c'est vrai qu'on peut changer la couleur de ça. Mais si on pouvait se décider maintenant. De quelle couleur sera la cuisine? La question existentielle. On va voir ça peut-être. Ouais, ça, je préfère quand même pour la cuisine peut-être. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincue en fait. On peut faire un truc un peu plus oriental avec le pack de la jungle. Genre comme ça. Genre... Au pire, on changera plus tard. Pour le moment, on va faire comme ça. On laissera un bout de carrelage. Bah, je pense qu'on va aller jusque là. Ouais, jusque là, c'est bien. Et le sol, on va faire ça à la fin. D'abord, on va faire tous les murs. Pareil, là, dans la salle de bain. Il faudrait mettre une mini-fenêtre en hauteur. On va essayer de mettre une mini-fenêtre. Une mini-fenêtre, non, pas les CC. Vos coucou en fenêtre, franchement, ça dérange pas grand-chose, en fait. Bon, ça illumine pas grand-chose non plus. C'est peut-être une trop grosse fenêtre, mais si on met des rideaux... Si on met des rideaux, ça passe quand même. Ouais, si on met des rideaux, allez, on va dire que ça passe. Et la tapisserie, c'était le plus important, la tapisserie. Bah écoutez, la tapisserie là, pour le coup, ce sera du carrelage. Alors, je pense qu'on va mettre du blanc, simple. Pareil dans l'autre salle de bain, on se fout pas. Pour la salle de jeu, quelque chose d'un peu plus enfantin. Ça, je devrais avoir ce genre de petits. De petites choses colorées. Ouais, je suis plutôt contente. Ouais, ça passe. Pour la chambre des enfants ados, quelque chose de sobre mais un minimum coloré. Non, quelque chose de couleur neutre. Il me faut des couleurs neutres, forcément, puisque. Vu que ce sont forcément des enfants ados. Voilà, il y a des adultes aussi à un moment donné, hein. Comme Angela, qui est encore là. Ça, c'est mignon, mais ça fait trop sombre pour eux. On va trouver un compromis. Et attendez. Ouais, ça, j'avais déjà fait...
hors live pour une photo, pour un screen miniature. Donc ça, c'était déjà fait. J'avais un doute. Quoi que ça ou ça. Non, on va laisser ça. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Voilà, franchement, bon, c'est... Quoique, non. Zéro Simflouze. Non, je peux pas acheter ça. C'est zéro Simflouze. Je ne peux pas... On va mettre des citrons. Et ça, en neutre, est-ce qu'il y aurait... Non, parce que des fleurs, déjà, c'est pas neutre. Peut-être un truc dans ce genre-là. Mais avec du blanc. Ouais, bah écoutez, on va partir là-dessus. Hein. Je suis pas inspirée. Et pour les petits, les plus petits, les bambins, les bébés, les babies. Les babies. Bah tiens, on va mettre ça. Ça fait quand même une petite nursery. Et le sol, on va s'occuper du sol maintenant. On s'est pas ruiné en vrai. On s'est pas trop ruiné. Bah en soi, le parquet n'est pas dérangeant. Sauf ça, ça me dérange. Ah merde, j'ai oublié la chambre de la maman. J'ai oublié sa chambre, c'est pas cool. Bah déjà, on va juste mettre le carrelage. Ça, c'est easy peasy. Hein. Ça, c'est easy peasy, le même carrelage. Voilà, un truc blanc, simple, très sanitaire, très propre. Et pour la cuisine, on en profite. Est-ce qu'il y a quelque chose du pack? Je pense que c'est ça qui irait bien avec... Ouh, il est super beau, celui-là, j'adore. La petite mosaïque, comme ça, j'adore. Ouais, la couleur-là, en plus, elle convient bien. Pourquoi pas? Moi, je valide. Mais est-ce qu'il y a quelque chose du pack de la jungle qui sera un peu plus en adéquation? Parce que techniquement, quand on vous donne... Attendez, il y a du marbre, là. C'est beau, le marbre. On va peut-être faire sa chambre avec du marbre. Ça sera un petit peu original. Ouais, techniquement, quand ils mettent un mur dans un pack, il y a toujours un sol qui correspond, mais là, j'en vois pas. Et du coup, pour le marbre, en plus, ça coûte assez cher. Donc, c'est un CC, mais ça coûte assez cher quand même. Du marbre blanc. Après, on peut mettre ça dans l'entrée, puisque avec le mur qu'on a mis, ça match, quoi. Mais ça fait vraiment sol de Bourges. Ouf, 300 avec Ice Implode. Bon, là, ça match. En plus, avec le carrelage, c'est des couleurs qui se marient bien. Bon là bien sûr on mettra pas de marbre dans la salle de jeu parce que ça fait un peu too much pour une salle de jeu, pour les chambres non plus hein, mais pour ouais bon, en plus ça illumine vachement la pièce. Par contre ce serait bien de mettre un peu plus de meubles noirs pour un petit peu casser ce truc blanc. C'est trop blanc là, c'est trop blanc, c'est trop blanc. Je me merde, bonjour. Du coup pour la chambre de la mère, c'est pas... Quelle couleur mettre? On a déjà mis du rose dans la nursery. Peut-être partir sur du rouge. Si je mets le rouge là. J'aime pas trop les trucs dans les coins. Je suis pas fan. Ouais, du rouge blanc. Et pour le sol, qu'est-ce qu'on fait? On met du parquet blanc. Je pense que le parquet blanc, ça peut être une bonne idée. S'il n'y a pas du plus blanc que le blanc là. Ouais, bon, on va mettre celui-là. Celui-là en plus, c'est celui de chien et chat. Et j'aime beaucoup. C'est le seul vraiment parquet du jeu où j'accepte sans cesser. Parce que ça va, il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. On va valider celui-ci. Alors, pour peut-être la moquette pour... C'est vrai que de la moquette pour... Oh, t'imagines, la meuf, elle met du métal en mode « Cassez-vous bien la gueule sur le métal, les bébés !» Mes enfants, j'ai pris une assurance vie pour chacun d'entre vous. Non, je déconne. Ce serait tellement glauque. Mettre de la moquette. On va mettre de la moquette. Ça, c'est pas de la moquette. Elle est où, la moquette? Elle est là, la moquette. C'est vrai que le jeu n'est pas très bien fourni hein, niveau moquette. Hein. On va pas se mentir. Celui-là, il est pas super beau. Mais j'ai envie de te dire, on n'a pas forcément des beaux tout court dans le game. Mais il correspond quand même avec
Attendez, si je mets ça en après-midi pour avoir un peu plus de lumière, moi je veux pas forcément plus de lumière, mais vous voyez, les trucs du bas du jeu sont pas ouf. Là on voit au moins que c'est de la moquette quoi. C'est un CC, mais on voit bien la moquette. En plus, ça m'a coûté quand même pas mal cher cette moquette. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Au niveau de la couleur, on va rester sur celui-ci. Hein. Quoique tu me diras, la couleur là elle passe hein, quand même. Hein. Parce qu'il y a des petits rappels de couleur avec le mur. On teste pour le moment, ça fait un peu trop foncé. C'est genre un peu moquette sale. Et ça non plus. Ouais, on va rester sur le vert. Ça fait un peu original au moins. Et pour la nurserie. Nurserie. Bah, je pense sur un plancher blanc. On va repartir sur le même que chez la maman. Voilà, ça fait bien. Hop, ici. Ouais, ça fait bien. Est-ce que je peux changer la couleur de ça? Et mettre en blanc, ça, ouais, ça ira mieux. Ici, j'ai envie de repartir aussi sur un plancher. Après, l'idée de la moquette me déplaît pas. On va tester. Oh, mais celle-là, elle est pas mal, cette moquette. Ça fait vraiment très réel. Mais vous voyez, je suis obligée de mettre des CC, sinon j'aime pas. J'ai l'obligation de mettre des CC. On va tester celle-ci. Non, celle-ci elle est mieux. Celle-ci elle est parfaite. Là je vais rester sur celle-là, ça dérange pas. Ouais non, je suis assez contente. Et là bah du coup pareil hein, parce que le plancher est trop foncé par rapport au mur. Et repartir bah, sur le même plancher qu'ici, je dis pas non. Voilà. Oh bah je suis contente. Ça illumine tout de suite la maison, c'est déjà beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus artistique. Moi, je valide. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet aménagement. Il nous reste 1000 Simflouz. On va les garder au cas où il y a des factures, au cas où il y a des... Voilà, on sait jamais, il peut toujours avoir... Enfin, faut toujours avoir dans la vie de l'argent de côté. Ouais, au cas où, si vous arrive un pépin, et là, c'est ce qu'on va faire. On va garder cet argent de côté. Et voilà. On se remet en mode vie. Personnellement je sauvegarde, normalement je fais ça entre chaque épisode mais là je suis assez fière du résultat, peut-être que je suis la seule hein. Mais je suis assez fière du résultat donc on va rester là dessus pour le moment. Après il y aura peut-être des changements par la suite parce que peut-être que je vais me lasser de quelque chose ou peut-être vous allez tous me dire dans les commentaires mais Kinza c'est horrible ce que t'as fait et je changerai hein. Bien sûr si vous me gueulez dessus je change hein. Je vous écoute mais moi je suis contente, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Voilà. Ok, mais ça fait vraiment... Je trouve que le marbre dans... Là, ça fait très riche, ça fait genre maison de Bourges. Mais c'est vrai que la maison en soi, si vous regardez comme ça, de ce point de vue-là, ça fait déjà une maison de Bourges, quoi. Il manque plus que la piscine derrière, limite, mais bon. Voilà, je pense que dans le Sand Baby Challenge, pour des raisons de sécurité, je veux dire, même si les bambins peuvent pas aller dans l'eau, parce que le jeu, je pense, fait que les bambins ne peuvent pas mourir, etc., parce que ce serait glauque, et ben, ils vont de toute façon pas aller se baigner. Mais bon, on va dire que éthiquement, si je voudrais jouer genre un peu plus réel, bah voilà. On va éviter. Alors, attendez, parce qu'on est jeudi, les enfants, bah ils sont pas à l'école. Je pense que ça, on peut pas les envoyer à l'école. Bah ils ont fêté leur anniversaire bah, tout à l'heure. Bah écoutez, faites vos devoirs. Et après, si vous voulez, vous pourrez aller vous reposer. Quant à vous, bah toi, je vais pas te louper, tu vas aller faire une grande toile classique. Toi, madame, pareil, hein, pas de repos. Est-ce que tu peux l'aider à faire ses devoirs, par contre? Aider à faire les devoirs, non? Proposer de toucher le bébé et à faire les devoirs. Est-ce que ça augmentera son social si elle l'aide? Logiquement oui, mais là j'ai pas l'air. Ça a pas l'air hein. Bah attends. Invité à rentrer. Bon allez, bon bah laisse vous émerder avec les devoirs si ça compte pas le social. Bonjour. Proposer de toucher le bébé. Voilà, elle a besoin d'un petit peu. Ouah, par contre sa barre de pipi elle descend vite hein. Sa barre de pipi hein Eh oui, tu vas être grand frère pour la xème fois de ta vie. Après les enfants, démerdez-vous, faites ce que vous voulez. Elle vient de peindre un chef-d'œuvre, merci ma fille.
1953 signes plonges, si j'ai bien vu. Ouais, c'est ça. Et du coup, faire une toile confiante. C'est parfait. Ouf, merci. Regardez, il est en train de réparer carrément la... Ah mon dieu, merci. Merci beaucoup. Eh ben, dis donc. Je suis en train d'écouter si le chien fait des bêtises. Mais ça a l'air d'aller. Alors là, il est en train de nous réparer. Est-ce qu'il a réussi? Bah, je crois qu'il a pas réussi à le réparer. Bon, au moins, il aura essayé. Là, techniquement, s'il meurt en essayant de réparer des affaires, vu qu'il est déjà plus dans la maison, il a été validé. S'il meurt en dehors, c'est pas grave, heureusement. Mais, ouais. J'ai hâte de voir ce que c'est les bébés. Alors, toi, t'as besoin de divertissement, bah, va jouer peut-être à vivre les Sims, tiens. Ça vend un collectionneur. Et refais une toile confiante. Ok, blablabla. Bla bla. Je rêve qu'il y a de la fumée noire qui sort de lui. Ouais, il y a de la fumée noire qui sort de lui. Oui, une sorte de petite buée noire là, on la voit plus. Mais attendez, si je m'éloigne. Ouais, regardez. Il est devenu un vampire. Attends, on va voir s'il va cramer. Lol, bah non, il cramerait pas à la maison. Oui, il y a des fumées noires derrière lui. Bah non, c'est pas un vampire, sinon il cramerait. Bah, dites-moi si vous savez ce que c'est, pourquoi il a ça. C'est pas de la puanteur, parce que la fumée, elle est noire, elle est pas verte. C'est genre trop chelou. Bah tiens, range ça pour mon pied. Est-ce qu'on peut déposer? D'attendre encore une semaine. Bah genre, il y a une semaine qui est toujours pas passée. Écrire un livre du genre... Bah attendez, il y a un nouveau truc. C'est fantasy. Seigneur chat ou... Bon, conseil des chats, pourquoi pas, le livre est sympa. Ça me parle. Ça me parle, donc on va le laisser. Par contre, toi, ton lit, c'est pas là. Tiens, on va réclamer ce lit-là pour toi. Il va dormir, non? Ah, quoique, t'es confiante. Allez, vends un collectionneur. Et profites-en pour refaire une toile. De l'argent, de l'argent. Ouf, elle nous rapporte quand même pas mal d'argent avec ses peintures. Et quant à toi... Oui... Heureusement que les enfants sont devenus enfants, parce que c'est vrai que des bambins plus des bébés, ça aurait pu être compliqué. Faudrait aussi faire à manger. Ah, là, faut vraiment qu'elle aille faire pipi. Là, elle est enceinte, elle se... pipi, ça va plus. Alors après, servir le dîner. Les gratins au taco, tiens. Les gratins au taco, il est embarrassé. Bah oui, mais en même temps, tu rentres dans les toilettes pendant que ta maman est en train de faire pipi. C'est pas très gentil, tout ça. C'est une blague, c'est pas gentil du tout. Est-ce qu'il peut faire des devoirs supplémentaires? Non, il ne peut pas faire des devoirs supplémentaires. Je sais que je pourrais leur faire faire... Ouais, on va peut-être leur faire des projets scolaires. C'est vrai que là, c'est plus trop la dèche. C'est plus trop la dèche. Si on voudrait, on pourrait leur faire faire des projets scolaires. Félicitations pour ton récent anniversaire. Ça y est, elle, est pas... elle a eu son anniversaire? Bah, toujours pas. Je sais pas si... Je sais pas. Toute la journée, elle est là-dessus. On va voir si le lendemain, ça débloque. On verra bien. Mais c'est peut-être parce qu'elle est enceinte que ça bloque. Je sais pas. Et bon, on verra demain. On verra demain. Enfin, demain dans le jeu, quoi. Faire pipi comme une championne. Et ensuite, tu pourras faire une toile confiante encore une fois. Et elle s'amuse. Elle s'amuse. Mais à la fin, t'as fait à manger. Ça vient que tu manges, hein. Parce que j'ai fait à manger pour que tu puisses manger aussi, hein. Parce que tu, il faut que tu nourrisses peut-être 3 personnes à l'intérieur de toi. Je dis ça, je dis rien, mais peut-être que tu as des triplés. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est vrai que si elle avait des triplés, je serais contente. Ok, bah elle a pas trop, elle a pas tout fini de manger. Bah tiens, tu veux pas finir sa bouffe? Non, tu veux pas. T'as pas faim?
Sophie, t'as pas faim? Bah tiens, tu peux aller aux toilettes. Bah tiens, tu peux réclamer et puis dormir dedans. Je fous tout dans le frigo. Ce serait dommage de gaspiller. Toi, t'as fini. Tu peux vendre à un collectionneur. Prendre des restes. Et puis également, tu vas aller dormir. Comme ça, tout le monde va partir dormir. Voilà. Sauf lui, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, c'est dans Rec. Je sais pas si vous avez vu le film Rec. Mais tu sais, quand t'es à l'enfant, enfin, quand il y a la femme, elle se lève et puis. Pendant que l'autre il dort, on accélère, regardez. Et en fait, il bouge pas. Et après, il part. Voilà. Voilà. On a eu Rec. Ok, elle aussi, elle va se coucher. Tout le monde est parti se coucher. Il n'y a pas des acides qui traînent. On fait un petit peu le tour. C'est limite les pots, ça sert à rien. À la limite, on garde un pot. Mais je pense que lui, on va le vendre parce que... Oui, ça fait je sais pas combien d'épisodes, il y a de la merde dans le pot. Mais on peut pas l'enlever, en fait. On peut pas l'enlever. Je pense que c'est trop rapproché et du coup, bah ça veut pas. Bon, toi... Prendre des restes. Elle a besoin de social également. Elle en est où à sa grossesse? Troisième trimestre. À n'importe quel moment, elle peut accoucher, sachant qu'on va accoucher à la maison. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? On va s'arrêter là. Parce que moi, je pense qu'elle va accoucher aujourd'hui dans le game. Ce vendredi. Vendredi 13, non, je déconne. C'est vrai qu'il n'y a pas de date vraiment dans les Sims. Mais je pense qu'au prochain épisode, elle va accoucher. Donc, on va la laisser accoucher au prochain épisode. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, des épisodes le mercredi et le vendredi à 17h30. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!